Lève ton sujet et commence à prier. 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 Je resterai toujours vainqueur. Je resterai toujours vainqueur. Je resterai toujours vainqueur. Malgré les combats. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu resteras toujours vainqueur. Tu resteras toujours vainqueur. Malgré les complots, yes. Tu resteras toujours vainqueur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prenons rapidement nos Bibles dans Marc. Marc chapitre 4, le verset 34 à 41. Merci Jésus. Oui, on peut faire la lecture. Amen. Après avoir envoyé la foule, il amena dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait. À la poupe, sur le coussin. Il le réveillait. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Il menaça le vent. Yes. Silence. Tais-toi. Yes. Un grand calme, oui. Seigneur, aide-nous. Il fut saisi d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci, à qui obéissent, même le vent et la mer. Amen. Merci Seigneur de bénir ta parole. Dispose nos cœurs à entendre cette parole, afin qu'elle nous fasse du bien, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce soir, le thème qui nous réunit, c'est « Cette tempête ne te vaincra point ». Cette tempête,
ce vent, ce tourbillon, ces problèmes, ces difficultés ne te vaincront point. Alléluia. Tu ne seras pas vaincu. Tu ne seras pas submergé. Tu ne seras pas emporté par cette situation. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous dit que le Seigneur, après avoir parlé à ses disciples, après leur avoir expliqué tout, il leur dira, passons de l'autre bord. Passons de l'autre rive. Alléluia. Pour faire quoi, Seigneur? Qu'est-ce qui nous attend? Quelle est l'épreuve, quelle est la difficulté encore qui nous attend? Alléluia. Dieu dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose à faire. Amen. Il y avait quelque chose à démontrer. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Après avoir expliqué tout aux disciples, il leur dira, passons de l'autre bord. Alléluia. La Bible dit, c'est ce même jour, sur le soir, Jésus dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait et il y avait d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Alléluia. Alors le Seigneur, voyant tout ce qu'il a expliqué aux disciples, il s'est dit que ces disciples-là sont prêts à affronter. Alléluia. Des situations compliquées. Ils ont appris, ils voulaient exercer leur foi. Dieu met un test devant les disciples. Et le test, c'était les tourbillons, le tourbillon. Tourbillon, nous savons que c'est un vent impétueux, un vent violent. Est-ce que ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur leur permettra de résister à ce vent? Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons reçu tellement la parole. Notre foi peut résister. Alléluia. Raison pour laquelle le Seigneur te dit ce soir, cette tempête... Amen. Malgré la foi que tu as, malgré la petitesse de ta foi, cette tempête ne t'emportera point. Cette tempête ne te vaincra point. Alléluia. La Bible dit, il se leva un grand tourbillon et les flots se jetèrent dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Alléluia. Qu'est-ce que va faire notre Seigneur? Étant fatigué, parce qu'il enseignait la parole, il enseignait aux disciples, étant fatigué, il va aller se coucher. Amen. Il va aller dormir un peu, il va aller se reposer un peu pour voir, alléluia, pour voir le degré de ta foi. Est-ce que ta foi va vaciller devant cette situation compliquée? Devant ce problème qui persiste? Est-ce que tu vas commencer à faire tes marches arrière pour dire, Seigneur, cette situation-là, je n'en peux plus? Non, il faut résister, il faut persister. Alléluia. Dieu savait ce qu'il faisait. Apparemment, on trouverait qu'il dormait. Mais il sait ce qui va se passer. Alléluia. C'est la fin. Amen. Une situation peut arriver, mais c'est la fin qui compte. Le problème peut durer, mais c'est la fin qui compte. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous devons savoir trois choses. Amen.
La première des choses que nous voyons, malgré la présence de Jésus dans la barque, une tempête peut se lever. Amen. Malgré la présence de Jésus dans ta vie, tu peux traverser des moments difficiles. Tu peux connaître une situation compliquée. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas maudit. Souvent, quand on traverse des moments, on dit, ah, mais ceux qui ne savent pas, mais celui-là, est-ce que ce n'est pas la malédiction? Non, tu n'es pas maudit. Alléluia. Malgré la présence de Jésus dans ta vie, tu peux connaître la tempête. Jésus était dans la barque avec ses disciples et ils ont connu la tempête. Amen. Le premier point, dis-toi que malgré la présence de Jésus dans ma vie, je peux connaître des situations compliquées. Je peux connaître la tempête. Je peux connaître des vagues. Je peux connaître des moments difficiles. Laisse-moi te dire que c'est normal. C'est normal. Amen. C'est normal. Alors, le deuxième point que nous voyons, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Il te donne des directives. Alléluia. Jésus donne des directives. Alors, celui-là même qui donne des directives, pourquoi est-ce qu'il va s'éloigner de toi? Amen. Il te dit, passons de l'autre bord. C'est parce qu'il a la solution. Il a la solution. Il dit, entreprends telle chose. Et lorsque tu commences, tu vois que ça commence à vaciller. Mon frère, reste calme. Reste calme. C'est lui qui te donne des directives. C'est lui qui te parle. Et la finalité, il va le faire. Il ne veut pas t'abandonner. Alléluia. Il a dit aux disciples, allons-y de l'autre bord. Je suis avec vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Le troisième point que nous voyons, la Bible dit, Jésus dormait pendant que la tempête se levait. La Bible dit au verset 38, « Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. » Jésus dormait. Amen. Il y a des moments où Jésus dort. Tu diras, mon problème, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Je prie. Et jusque-là, je n'ai point de réponse. Laisse-moi te dire que Jésus aussi peut dormir sur ta situation. Amen. Ce n'est pas une malédiction. Il n'est pas aussi en retard. Amen. Avec les disciples, il a dormi. Avec toi aussi, il peut dormir. Amen. Il peut dormir. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas avec toi. Il est avec toi. Alléluia. Il est avec toi. Alors, après ces trois points, nous allons voir la réaction des disciples. La réaction des disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant que cette tempête, pendant que le vent était en train de faire ses manœuvres, pendant que la barque était en train de se remplir, qu'est-ce que les disciples ont décidé de faire? Alléluia. Il pouvait prendre cette décision de se jeter à l'eau et puis crier, sauve qui peut. Amen. Parce que quand le danger est là, chacun attrape ses pieds ou bien chacun attrape sa tête. Sauve qui peut. Parce qu'ils connaissent déjà la mer, ils connaissent l'eau. Ils travaillent avec l'eau. Amen. Ils pouvaient sauter. Vous dites, bon, lui là, il sait nager. Lui là, il est, c'est le Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un qui marche sur l'eau, on fait comment? Sauvons-nous. Amen. Ils peuvent prendre la décision de se jeter à l'eau. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont posé un acte très fort. Alléluia. Lorsque tu vois que la tempête est en train de se soulever, il y a une chose.
c'est de réveiller le Seigneur par ta prière. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il le réveillait. Alors tu me diras, ah, donc moi, ma situation, Jésus dort. Alléluia. Moi, je suis en train de pleurer. Je crie. Je ne travaille pas. Je ne suis pas mariée. Et Jésus dort. Oui, il faut qu'il se repose. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, il le réveillait. Ils ont fait quoi? Ils l'ont réveillé. Ils ont décidé de le réveiller. La Bible dit qu'ils se sont approchés de lui. On ne reste pas loin pour réveiller le Seigneur. On s'approche de lui. Ils se sont approchés et ils ont dit. Ils étaient des hommes polis. Maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Maître, interviens. Maître, réveille-toi et agis. Ne vois-tu pas ma situation qui persiste? Maître, réveille-toi. Ne vois-tu pas ce travail? Ne vois-tu pas ma situation? Ne vois-tu pas cette difficulté? Ne vois-tu pas ce problème, Seigneur, qui persiste dans ma vie? Maître, réveille-toi. Amen. Réveille-toi. Amen. Et souviens-toi de moi, Seigneur. Alléluia. Ils ont réveillé le maître. Ils ont réveillé le maître. Alors toi aussi, mon frère qui me suis, tu peux le réveiller. Tu peux le réveiller. Alléluia. Et la Bible nous dit, c'est un réveillé. Alléluia. Il s'est réveillé parce que toi, tu l'as invoqué. Il s'est réveillé parce qu'il a entendu ta voix. Il s'est réveillé parce qu'il a vu ta situation. Il s'est réveillé parce qu'il a vu la peur en toi. Alléluia. Jésus s'est réveillé. Et lorsqu'il s'est réveillé, il ne va pas dorloter le vent. Il ne va pas dorloter la situation qui persiste dans ta vie. Il ne va pas dorloter la maladie qui te fatigue. Non, il va prendre autorité sur la maladie, sur le célibat, sur toutes ces choses qui te minent. Il va prendre autorité. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, c'est un réveillé. Comment Jésus savait que c'était le vent qui les embêtait? Amen. Il connaît ta situation même s'il dort. Il connaît ton problème même s'il dort. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il s'est réveillé, il a menacé le vent. Amen. Il a menacé le vent pour toi. Il a menacé le vent. Il a menacé cette situation pour toi. Amen. Ton cri l'a réveillé. Ton cri l'a touché. Ta prière l'a touché. Ta prière l'a touché. Alors lorsque Dieu s'est réveillé, il va menacer le vent. Et qu'est-ce qu'il dira? La Bible dit, il menaça le vent. Il parle d'abord au vent. Amen. Alors la deuxième chose, il va parler maintenant à la mer. Alléluia. Et il dit à la mer, silence. Silence. Trop, c'est trop. Silence. Maladie, silence. Blocage, silence. Chômage, silence. Difficulté, silence. Il est temps. Il est temps. Il dit silence et tais-toi. Silence et tais-toi. Longtemps tu as parlé dans la vie de ma fille. Longtemps tu as parlé dans la vie de mon fils. Il est temps que tu fasses silence. Il est temps que tu te taises.
Il est temps que tu te taises. Alléluia. Longtemps, tu as parlé. Longtemps, le diable a parlé. Alléluia. Lorsque Dieu veut délivrer une personne, lui-même, il se met en scène. Tu n'as plus d'effort à faire. Alléluia. Les disciples pouvaient se joindre à Jésus pour dire, ah, comme il est en train de condamner, comme il est en train de parler, nous aussi, on va accompagner notre voix. Non. Alléluia. C'est lui seul qui combat. C'est lui seul qui a pris autorité. C'est lui seul qui a autorité. Amen. Il a parlé au fond. Il a parlé à la mer. Il lui a imposé le silence. Alléluia. Qu'est-ce qu'il parle dans ta vie? Quel est le problème qui parle dans ta vie? Quelle est la situation qui parle dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire que Jésus est au contrôle. Il est au contrôle. Et lorsque Jésus parle, la création fait silence. La Bible nous dit que le vent, c'est ça. Il y a puissance et puissance. Il y a pouvoir et pouvoir. Il y a autorité et autorité. Mais l'autorité de Jésus est au-dessus de l'autorité du pouvoir de la mer, des flots et des vagues. Alléluia. Ta maladie peut dire, puisqu'elle persiste, donc elle veut dire, elle se dit, j'ai l'autorité. Je maîtrise. Je l'ai dompté. Donc elle ne peut rien faire. Et le célibat dit, je l'ai dompté, elle est pour moi. Les blocages aussi disent, je l'ai dompté, elle est pour moi. C'est moi tu as dompté. Est-ce que tu peux dompter le roi des rois? Non. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit, il y eut un grand cas. Ça, c'est l'histoire d'une personne ce soir. Il y aura un grand calme dans ta vie. Il y aura un grand silence dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu crois en cette parole? Amen. Gloire à Jésus. Alors, ce soir, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce que je sais, que c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Je sais une chose, que c'est Jésus qui a le dernier mot. Alors lorsqu'il se lève, la création fait silence. Lorsqu'il se lève dans ta vie, la création fera silence. Lorsqu'il se lèvera dans ta vie pour cette situation, la création fera silence. Alléluia. Alors nous allons terminer avec quelques points que vous allez prendre. Alors ce soir, je veux encourager des femmes, des hommes, des jeunes gens, avec ces quatre points. Alléluia. Le premier point, c'est lève-toi et invoque-le. Lève-toi et invoque-le. Les disciples se sont levés, ils ont invoqué le Seigneur. Devant l'épreuve, devant la situation, lève-toi. Lorsque tu te lèveras, Dieu rentrera en scène et il agira dans ta vie. Alléluia. Le deuxième point est confiance en lui. Ne doute pas de sa présence, ne doute pas de sa puissance, ne doute pas de son autorité. Alléluia. Il est puissant et il peut agir dans ta vie. Aie seulement confiance en lui. Gloire à Jésus. Le troisième point, crois en ses promesses pour toi. Si le Seigneur t'a fait une promesse, il accomplira cette promesse. À toi de croire. Amen. Ne doute pas. Ne doute pas, cette promesse s'accomplira certainement. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est à toi qu'il a fait la promesse. Amen. Il n'a pas dit, la parole de Dieu ne nous dit pas, c'est une prophétie que vous avez reçue. Non. Il dit, c'est une prophétie que tu as reçue. Si elle tarde, attends-la.
attend là. C'est-à-dire que c'est personnel. Alléluia. Gloire à Jésus. Crois en ses promesses pour toi. Ne crois pas pour tout le monde. Crois pour toi seulement. Ce que Dieu t'a dit, il le fera certainement. Alléluia. Et le dernier point, prends du temps pour célébrer le Seigneur. Même si la chose ne s'est pas encore accomplie, prends du temps pour le célébrer. Alléluia. Prends du temps pour bénir ton Dieu. Prends du temps pour louer ton Dieu. Prends du temps pour célébrer ton Dieu, parce qu'il le fera certainement. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Espérons qu'en toute espérance, il agira. Il agira. Il le fera. Alléluia. Il le fera. Est-ce qu'on peut se tenir debout et donner une forte acclamation à notre Dieu? Alors, tu vas élever la voix, tu vas rendre toute la gloire au Seigneur, tu vas le bénir, tu vas l'exalter, lui dire infiniment merci pour ce que tu viens de recevoir comme parole qui va encore fortifier ta foi, qui va t'amener à croire, qui va t'amener à toujours espérer et croire que Dieu le fera, il le fera certainement. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour nos cœurs. Nous te louons, nous t'adorons, car nous savons que Seigneur, c'est toi qui rentres en scène et qui agis dans nos vies. Seigneur, devant des situations compliquées, devant la maladie, devant Seigneur le vent, devant Seigneur la tempête, Jésus-Christ, tu es là pour agir. Tu es là pour nous délivrer. Tu es là pour nous guérir. Tu es là, Seigneur, notre Dieu, pour nous sauver. Béni soit ton Saint-Nom. Merci tendre Père. À toi seul l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen.